Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire du Mont Blanc. C'est la fin de l'année, il fait froid, c'est le moment de manger des marrons, c'est maintenant ou jamais, c'est jusqu'à Noël, donc on en profite. Alors le Mont Blanc, qu'est-ce que c'est ? En tout cas, moi je vais le faire à ma façon. Il y a diverses façons de le faire. C'est un classique de la pâtisserie française. Donc moi j'ai choisi de le faire sur une base de sablé breton, donc fait maison, comme toujours, avec sur le sablé breton des brisures de marron glacé, imbibées de rhum. On y met de la crème chantilly et ensuite on y met une crème au beurre au marron, aromatisée avec un petit peu de rhum. Alors le rhum, c'est pas parce que je mets de l'alcool, c'est pas obligatoire, mais par contre c'est un exhausteur de goût. On peut y mettre aussi du whisky qui n'est pas sucré, donc ça irait très bien avec le marron parce que le marron c'est déjà sucré à la base. En tout cas, la pâte de marron que je prends est sucrée, donc on peut mettre ou rhum ou whisky. Ce sera une vidéo silencieuse, je vais vous mettre un fond musical. Régalez, à tout à l'heure. Fabrication du Mont Blanc, c'est parti!
Ça y est, on a terminé de fabriquer nos monts blancs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, on va vite les mettre en vitrine pour pouvoir les vendre. Alors, petite précision, le mont blanc, je le fabrique qu'en fin d'année, donc novembre, décembre, surtout quand le temps le permet. Là, il fait froid, on en profite. On aime manger des marrons chauds à cette période de l'année, c'est tout à fait normal. Donc, nous, on décline les produits autour du marron. Donc, c'est notre rôle de pâtissier. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes régalé, que ça vous a donné envie de venir goûter nos monts blancs. C'est un mont blanc, je le répète, fait à ma façon, selon les idées que j'ai à cet instant T. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Mettez un pouce bleu, ça va nous aider à être vu sur YouTube. Je sais que les algorithmes YouTube proposent nos vidéos plus facilement si vous mettez un pouce bleu bien en l'air. Je rappelle votre objectif de 1000 abonnés avant la fin de l'année. On a plein d'autres vidéos à vous montrer sur notre chaîne. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y en a à peu près pas loin d'une centaine maintenant, entre les JT et les vidéos de fabrication telles que celle-ci. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors je vous prévois des spécialités provençales avant la fin de l'année, notamment les pompes à huile. Voilà, j'en dis pas plus, comme ça, ça va vous faire un peu cogiter. Une bonne journée à tous et à bientôt. J'ai une bonne journée parce qu'on est tôt le matin. Ciao les amis.